Le compte à rebours est lancé. Le 11 décembre 2021, TF1 diffusera en direct le concours Miss France qui élira la nouvelle représentante de la France. Après Amandine Petit en 2021, CIST en effet une nouvelle candidate qui lui succédera. Lors de cette soirée inédite organisée au Zénith de Caen, toutes tenteront de décrocher la couronne en présence de Jean-Pierre Foucault, Sylvie Tellier et un jury d'exception. Mais en attendant, CIST sous les flashs du photographe Bertrand Noël que les Miss ont pris la pose pour des portraits officiels. En petite robe verte midi à volant signé Étienne Janson, les 29 candidates se sont prêtées au jeu, tout sourire. Sublimé par la marque Mauboussin pour les bijoux, Saint-Algue pour la coiffure, Roberto Durville pour les chaussures et Sauty au maquillage, les Miss se sont dévoilées sous le meilleur jour. Des clichés à retrouver dans notre diaporama. Miss France 2022, les candidates ont désormais un contrat de travail. À noter que le concours de beauté est cette année marqué par une grande nouveauté, l'arrivée d'un contrat de travail. Alors que la société Miss France a été visée par l'association Oser le Féminisme, Alexia Laroche-Houbert, la nouvelle présidente de la société a annoncé cette révolution lors de la conférence de presse qui s'est tenue le 17 novembre 2021 dans les locaux de TF1. Depuis ma nomination en tant que présidente de la société Miss France, on a travaillé, avec les équipes, à la ligne éditoriale de l'émission et aux conditions de production. Cela a des conséquences à la fois artistiques, techniques et juridiques. CIST pour cela que cette année, les 29 Miss qui vont défiler le soir du 11 décembre sur l'antenne de TF1 auront des contrats de travail. A-t-elle déclaré, sans en préciser les termes. Une première dans l'histoire du concours. Loading DJ.